passe l'écran de chargement quand même. Hein. Merde. Au Royal Rumble, attention. Bon, il y en a encore pour 10 secondes, le temps que Jojo finisse sa phrase. On n'entend même pas ce qu'il dit. Non, non, mais c'est, en fait, il y a un décalage. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de persos mémorisés, donc du coup, ça fait laguer. Je tiens à le dire. Voilà. Et il se trouve que Top Tom a oublié d'enlever la voix de la présentatrice. Parce qu'on est des sacs, évidemment. Et par contre, ma petite déception, c'est est-ce qu'on peut pas modéliser la meuf qui introduit le truc? Comme ça, tu mets genre Odd ou Diane Alperson. Non, non, j'ai non pas, on peut pas. Ça, on peut pas. Alors, on peut modéliser un ring personnalisé, mais qui ne peut pas être utilisé pour le Royal Rumble. Ce qui est très moche. Donc là, elle explique les règles. Il y a deux catcheurs qui vont entrer d'abord. Ensuite, un catcheur va entrer tous les 60 secondes. Évidemment, pour qu'un catcher soit éliminé, il faut qu'il passe par-dessus la troisième corde et que ses deux pieds touchent le sol. Et à la fin, le dernier debout est déclaré vainqueur. Il gagne la ceinture Big Bye 44. Je ne savais pas que Big Bye 44 était sponsorisé par KFC et Snickers. Ah, mais... Oh, le trésorier de l'assaut! Oh mon dieu! Critical! En slip, mesdames et messieurs! Le slip! Il est bon, en Jeff, mon gars! Oh, il est beau, il est motivé! Il vient pour l'argent! C'est lui qui gère l'argent et il va récupérer l'argent, la raison pour laquelle cette situation est écrite, il faut le rappeler, tout ça c'est pour le pognon. Hein. D'ailleurs, notre Tipeee est ouvert, si vous voulez, vous pouvez faire des dons dessus. Il a une très jolie moustache. Il est déterminé. Il est très motivé. Et des cheveux très gominés. Je tiens à préciser que vu qu'il joue Zangief, j'étais obligé de le mettre en slip. Ouais. C'est la base. Ah, parce qu'il faut préciser que les 34ers, c'est Tom Tom qui les a modélisés il y a passé 2 mois. Et il j'ai assez DLC, de DLC pour une année entière. Il y a un mec avec marqué « Mon entrée était meilleure hein, ». Ça clash tout de suite. Ah, mais alors, chaque pancarte est personnalisée pour chaque catcheur. J'ai été jusque là. Hein. Ça va très très loin. Ça va très loin, très vite. Je t'ai précisé que c'était une blague de ma part à la base, encore une fois. On va découvrir qui est le deuxième. Allez, le numéro 2. Donc le jeu lag un peu, c'est normal. Avec 30 persos modélisés. Qu'est-ce qu'il est beau quand même. Oh. Et c'est JB. Oh, avec la veste Stone Cold qui n'était pas dans le trailer, c'est une exclue. Il est parfait. Oh, il est beau. Esquive pas avec tes crayons, mon gars. Non, par contre, il a une tête de 7 dans le dos. Oh là là, mais c'est parfait. Oh, il est prêt. Cet homme est beaucoup trop heureux de s'apprêter à se faire péter la gueule. Il a beaucoup trop de charisme. Il est prêt à se battre. Et pourquoi il y a l'or sur sa veste? C'est une catchphrase de Steve Austin. Ok. De Stone Cold. C'est l'évangile selon Steve Austin, la 3-16. Tu vas te faire botter le cul. Putain, comment la console elle crash ses tripes, c'est ouf. Et bien et sûr, la pour le tir. C'est la ceinture qui bug un peu. Un ouais. Tout petit peu. Normalement, il y a les 4 jeux principaux de chaque côté en fait. Ouais, là, bon, là, il y a beaucoup trop d'images à l'écran. Le jeu, il arrive pas à charger malheureusement. Allez. Le jeu a ses limites. Nous allons assister au Royal Rumble pour terminer le champion de Battu by 44. Voilà, tout de suite. Critical qui perd pas tant, qui en va chiber dans le coin. Oh, il tente directement de l'éliminer. C'est peut-être un peu tôt. Oh, donc il va attendre pendant 45 secondes à se toucher les couilles sur le ring. C'est trop présomptueux, monsieur Glenn. Voilà, oh, JB, le coup de la tête, mon gars. Moi, je suis chaud. Oh, le side wall slam. Ça détruit directement le dos de son adversaire. Il a compris qu'il fallait l'affaiblir avant de l'éliminer. Oh, le saut de la troisième corde. De la deuxième, quand même, pour pas les gars. Oh, c'est un scoop. Le splash complètement loupé de la part de Critical. JB qui en profite. German souplex. German souplex, ça. JB il est chaud, il a pas de calque déjà à terre. Et heureusement, on va accueillir tout de suite le troisième. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est Gabou. Gabou le numéro 3. Tandis que JB, il va arriver, il va prendre un fourbe. Voilà. Il va le pousser comme une schlag. Il s'y met tous deux. L'opportuniste. Oui. Vas-y, Critical, résiste. Critical. Non, il se retient. Incroyable. Il continue à se mettre à deux sur lui. Non. Il le repousse directement. Critical, toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. C'est la puissance de l'argent.
Oh la prise à deux. La double souplesse. Attendez, vous vous rendez compte quand même la traîtrise de JB. Critical, il a aucune race. Il y a Gabou, il est venu l'aider à Critical après il JB qui est le seul debout. Alors je tiens à dire qu'il y a autant de gentils que de méchants. Et il y a autant de sales races que de gentils. Gabou avec son t-shirt Dio, il peut pas la perdre. La triple souplesse. Il y a Dio. German souplesse. Ça suffit pas. La troisième. Tandis qu'on a un camion avec nous. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satoshi qui est en swing. Il arrive. Satoshi, il est beau. Il est Satoshi, il est beau. Il est en close, il est beau. Alors Satoshi qui fait 1m60 sous la critique. Satoshi qui veut éliminer Critical, il arrive. Mais non, ça marche pas. Satoshi qui n'a pas eu la force physique nécessaire. Oh, qui se fait sécher directement avec un uppercut. C'est son corps de fragile, il peut rien faire. Oh là là, Critical, il s'est sorti. Oh là là, des souplesses dans tous les sens. Ça commence déjà à être l'hécatombe sur le ring. Oh, le personnage joueur de Gabou. Mais personne n'est sorti encore. Allez, l'envoie dans le coin de Gabou. Oh, allez, je te prends par derrière, ça va te faire du bien, mon gars. Oh, et Critical qui perd sa santé, qui est actuellement éliminé Satoshi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier qui se passe. Satoshi qui se retient. Attention. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le cinquième part, c'est bon. Le champion du Guac. Le champion du Guac qui rentre. Champion. Il va se faire rentrer avec lui. Avec le Satoshi éliminé d'un coup de la corde à linge. Satoshi premier éliminé. Satoshi qui est passé. Pas de la troisième corde. Mais mon gars, Satoshi il a cru, il avait son perso pété, mais non. Là c'est la vraie vie, mon gars. Ouais, Satoshi s'en veut. Et Shibé qui est encore le seul sur le ring. Tes muscles seulement. JB il est chaud, JB il tient. Mais Critical il est chaud, Sarah, il tire de ouf. C'est la puissance du slip. Et le public est en feu dans le jeu. Mais oui, autant que sur le ring. Oh là là. Oh là, JB. JB, JB éliminé. Oh, qui a contre JB, JB éliminé. JB qui est passé. Pas de suite la troisième corde. Voilà. Numéro 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et il va faire le Wisman! Il va faire le Wisman! Est-ce que les Bioga sur le ring? Est-ce que les frangins vont s'allier? Mon dieu, mais c'est le... Oh! Le Wisman qui s'en tape directement à son père! Qui va l'éliminer? Oh, il se jette! Oh, qui l'élimine directement! Et Gabou qui est chassé! Par-dessus la troisième corde! Il ne reste plus que Wisman et Oro sur le ring! JB ça a été une rafale qui est passée! C'est le duel des frangins, mon gars! Une rafale est passée sur ce ring! Wisman, oh oui! Allez, il attend! Il va se jeter. Et Wisman, il est chaud. Oh, qui pitié, t'as fait faire, je m'en bats la rage que t'es en France. Oh, le DDT. Et on va tous le numéro 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Max le sort. Max le sac qui rentre sur le ring. Oh, il est beau, il est rose. Tout de rose vêtu. Oh, il est beau, il s'attaque directement en rond par derrière. Le gros avantage, il paraît que c'est une salade. Wisman qui passe direct. Oh, Wisman, non. L'attaque en traître dans le genou. Max le sac qui ne s'attaque que par derrière. Oh, le coquin. Oh, Wisman qui voltige. Le swinging clothesline. Oh, on en profite pour respirer tranquillement. Ah, non, le coup de pied contré. Oh, le super qui contré. Oh, le coup dans le vide. Wisman qui est bourré. Max le sac qui est bourré. Oh, Russian leg sweep porté par Max le sac. Donc pour l'instant, on se relève. 4 éliminés. Satoshi. JB, oh. Gabou qui s'est fait éliminer par son frère. Oh, le coup de boule de Wisman. Oro, Oro, est-ce qu'il y a ce... Oh, oh, qui s'est éliminé par Wisman. Et... Cinq, quatre, trois,
2, 1. Et c'est sur le ring. Oh, le coup de boule de Mouzman. Le champion Street qui va rafler Saturne peut-être. Il est là. Boum, direct. Oh, Magic Ladies s'attaque à tout le monde. Le mec, il a pas le temps. Oh, il chante la foule. Il a pas le temps. Magic, il est chaud. Il a Magic pas le temps. Magic Ladies qui est là pour faire le show. Il s'attaque directement à Max Sack. Et non, il contre. Oh, Max Sack lui dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi. Mais ici, non. Bam. Magic Rider qui reprend le sup. Bon, Mouzman est totalement séché à terre. Allez, Magic Rider qui prépare Max le sac. Richard. Et Max, il dégage. Max le sac est passé. Le duel. Magic Rider, il va faire un doublé. Non, Mouzman, il revient direct. On va continuer d'accueillir le numéro 9, si je dis pas de bêtises. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on accueille Chop. C'est Chop. Chop qui rentre sur le ring. Le Morlaix Comedy Club est sur scène. Oh, il est le meilleur chauffe de l'assaut. Oh, ce crâne absolument luisant. Oh, il va chercher Mouzman. Oh, il y a eu un bug. Sam qui a bugué à travers les cordes. Shiny Glitch, il a pas le temps. Magic Rider, il était supérieur sur ce ring. Oh, Magic Rider, mais j'ai Magic Rider qui tient bon. Le bras à la volée, Magic Rider. Le Swinging Neckbreaker de Magic Rider, bien exécuté. Ça relève Shiny. Est-ce que Mouzman va profiter d'une ouverture? Oh! La clothesline portée par Chap! C'est mes bras, qu'est-ce que tu veux dire? Blah! Mais oui, il y a de la chance de Chap! Oh la double! Oh la double prise! Oh, il travaille à deux! Chap qui se fait bourriner! L'envoie dans le coin directement, est-ce qu'il va tenter de l'éliminer tout de suite? Non! Oh la clothesline! Chap! Et Chap qui est directement passé! Par-dessus la troisième corde! Et oui, Chap qui fait un doublé! Et on a perdu! Et Irvine qui arrive! Mouzman qui a pas le temps, il emmène l'aile! Et l'aile qui est passé directement par-dessus la troisième corde! Mouzman qui est tout seul sur le ring! Il a pas le putain de temps, mon gars, il est pressé! Ah! Le numéro 11! Et c'est Kenz! Kenz! Avec 3 Z, 2 c'est pas assez! Et Kenz qui va directement se faire choper par Mouzman! Mouzman qui est extrêmement chaud! Ah, Mouzman il est chaud, patate! Mouzman qui a bugué. Le jumping neck breaker complètement raté par Mouzman. Mais Mouzman, oh, c'est pas grave, il récupère quand même. Il utilise son stand, il triche. Il le sèche, il récupère DDT. Le DDT parfaitement exécuté par Mouzman. Mouzman qui est chaud patate. Et qui lui écrase les lombaires. Mais Mouzman, il le relève tout de suite, il a pas le temps. Mouzman nous a caché ses talents de cacheur, c'est pas possible. Oh, magnifique. Mais il effectue un véritable travail pour fatiguer Kenz. Ah mais le Jean-Paul Mouzman Il envoie directement dans le coin, est-ce qu'il va tenter d'éliminer? Non, Kenz qui contre. Est-ce que Kenz va réussir? Oh, il le porte. Le Fireman Skelly. Non, c'est on a Kenz tout de suite. Numéro 12, Jonua. Jonua qui rentre. Wiseman qui a pas le temps, il se jette directement sur lui. Il est où Mouzman, mais qui se calme? Oh, et Wiseman il tente. Emmett, le Trois-Ballines Paradise en préparation. Trois-Ballines Paradise. Jonua qui ne sait plus où il habite. Jonua qui a pas eu un seul instant de... Non, il compte. Allez. Fiche et faire des coups de pied, t'as vu. Jonua qui a voltigé d'un seul coup. Oh, il monte directement sur la troisième corde. Sur la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il l'attend. Allez, amène-toi, mon gars. Relève-toi, je t'attends. Vas-y. Oh, la carana portée par Jonua. Le rock'n'run à Jonua. Oh, le chien. Oh, le mec. Oh, sur les cordes. Et on accueille le numéro 13, 4, 3, 2, 1.
Doudou qui est petit, on peut le dire. Non. Oh Doudou, non. Non, pas Doudou, pas déjà. Non. Non. Doudou qui a pas tenu 3 secondes sur le ring. On n'a même pas pu admirer son magnifique t-shirt. Oh Jonua, Jonua. Oh oui, Jonua qui compte. Qui est opéré par Mouisman, c'est incroyable. Ah, le travail de sable de Mouisman, un magnifique. Est-ce que Mouisman va continuer ou est-ce que Johnny va en profiter? Est-ce que Johnny va arriver à ce moment-là? Oh oh! Oh la grosse! Et Mouisman qui est passé par-dessus! Le mec il a fondé la soie, il va pas laisser la ceinture filer comme ça mon gars. Voilà le mec il arrive en veste, il a pas le temps. Isno qui était dans la rue, qui a entendu parler du Rumble, il se ramène. Et qui se fait directement emmener. Un genou à l'échou. Oh là là là. Oh, ça doit faire mal. Le tacle glissé dans la tempe. Genoua qui relève Isno, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, qu'est-ce que tu fous là toi? C'est plus chez moi. Genoua qui fait comprendre à Isno que c'est plus de son temps. C'est pas pour les petits vues dans ton genre, mon gars. Allez, tu directement par-dessus. Non, il revient direct. Non, 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 allez, Isno, prends-toi. Isno, Isno, prends-toi. Il faut du combat. Non, Isno. Isno qui dit non. Isno, non. Isno qui revient. Le comeback. Et on va accueillir le numéro 15. On est presque là, on est déjà à la moitié. 5, 4, 3, 2, 1. Et pour le numéro 15, c'est Wendro. Il va défendre son territoire face à un Rennais. Monsieur le Daron qui rentre sur le ring. Allez. Et c'est incroyable, on a 3 participants dans ce coup. Eux, ils s'attaquent direct à Isno. Mais Jean-Louis a quitté encore. Et Wendro. Gwenrock, c'est pas bien ça de guerre retraité. Oh il l'attend. Oh il l'attend. Il l'attend, il l'attend, il va lui porter sa finition. Oh, oh le Dility. Dility porté par Jonua pour sécher d'un secours Gwenrock. 2X, nous on l'a enlevé de Rennes. Du coup, ils l'ont mis directement dans les cordes. Il dit, je vais t'enlever. Oh, il prend l'élan, il prend l'élan. Et Gwenrock, Gwenrock éliminé, il est passé par le fil. Numéro 16, elle a passé la moitié. 3, 2, 1. Et numéro 16, c'est Granger. C'est Granger. On va avoir un affrontement de René. La revanche de Street 5 de tout à l'heure. Voilà. Oh, Granger en slip. Et Genoua qui a pas le temps, il le chope directement. Je tiens, attendez, s'il vous plaît. Allez, Tom Cap, s'il vous plaît. Tom Tom s'est fait chier à faire les poils de jambes de Granger. Je me suis amusé à faire les poils de jambes de Granger. Ça mérite du respect, je pense. Et on peut vous dire qu'il a pris des photos pour que ce soit le plus ressemblant possible. J'ai exhumé vos comptes Facebook, hein, vous m'en voudrez pas. C'est pour ça que Genoua est en mode 2013. Jonua qui relève Granger, mais Jonua, il est parti directement, une souplesse une nouvelle fois. Tu sais, Jonua il a remplacé Mouisman, c'est plus Mouisman qui fait le massacre, c'est Jonua. Ouais, c'est ça, ouais, maintenant c'est Rennes qui domine le terrain. Oh là, Timon Backbreaker, ça doit faire très mal. Il vient de lui briser le bas du dos. Il l'envoie directement dans les corps, il est mêlé directement. Granger qui est passé. Numéro 17 et c'est go. Il est chaud. Il est chaud. Regarde, Gosse qui arrive. Je vais le déchirer. Et Gosse qui est séché derrière. Non, il se relève. Il se relève. Oh, le coup de boule pas derrière. Oh, mais toi, tu dégages. Depuis quand j'ai autant de force, putain. Et là, Gosse qui dit à Jonua, on est chez Nantes, c'est chez moi. Oh, voilà, il l'attend. Voilà. Oh, il l'attend. Il l'attend. Il tente, mon dieu. Mais pendant ce temps-là, on a les commentaires. Oh, le contre. Non, non. Le contre. Il tape. Peut-être. Et il contre encore. C'est n'importe quoi. Ça, c'est serré. C'est assez serré pour l'instant entre Ghost et Jonua.
Reste Ghost. Au sol, reste au sol. Il va le relever tout doucement. Voilà, Jonua, c'est son ring. On ne le lâchera plus. Le coup de pied dans la tête. Oh là là, oh, il l'attend. Il vient de lui écraser les lunettes. On a le numéro 18 qui va rentrer. 7, tandis qu'un délicieux passé. 5, 4, 3, 2, 1. Et le numéro 18, c'est top. Tom sauver Tom Tom. Tom Tom se fait éliminer. Tom Tom qui arrive et qui regarde. Tom Tom il regarde. Tom Tom Tom, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, il se jette dessus, il va l'éliminer. Ça dans ta gueule. Est-ce que Ghost va tenir bon ou il va se faire éliminer? Et non, Ghost qui tient bon, il repousse Tom. Non, je suis un smasher, vous m'aimez pas comme ça. Tout ça parce que je t'ai battu à tes quels, mon gars. Oh la double prise! Oh la double prise! Tom Tom qui se fait choper! Voilà. Oh, double backbreaker! J'ai mal à mes lombaires! Ça fait mal! Et Ghost qui se bat! Ghost qui se défend comme il oh, peut! Oh, oh, il esquive! C'est plus, c'est plus petit du ring pour l'instant! Oh, Johnny Wack est dans le coin, est-ce qu'il va en profiter? En ce temps-là, moi j'observe! Hein, oh, le coup de la le représentant de Yoshi. Verdigris qui a pas de sang, il monte sur la troisième corde. Verdigris qui monte, il est monté très haut et il saute. Oh la carnade, c'est un voltigeur, c'est magnifique. Allez, j'ai mal à ma tête là, bizarrement. Et non, Tom Tom qui contre. Je suis le champion, moi! Qu'est-ce que tu crois? Tom Tom qui dit à Verdigris, je vais te donner une leçon de carré. Oh, drop kick magnifique! Smash, c'est pas un jeu de combat, c'est un party game MTP! Ouais, Tom Tom qui monte sur la troisième corde! Oh, et la descente du coup de Tom Tom! Tom Tom! Eh oui, je suis chez moi, c'est mon ring, je suis champion, qu'est-ce que tu Tom Tom qui. Oh! Oh mon dieu! L'agilité d'un Verdigris! C'est magnifique! Verdigris! Et on accueille tout de suite le numéro 19. Numéro 20! Oh Verdigris! Oh Verdigris qui a éliminé Tom Tom! Tandis qu'on accueille! On accueille Chad! Chad! Le champion du 3 hit! Le champion de Rennes alors que je n'ai plus le titre, c'est officiel! Le champion de Rennes qui rentre! Ah, le Verdigris qui a pas le temps, il se jette directement sur lui! Oh le contre! Oh, le chat qui sèche Verdigris. Ah là, c'est un combat entre deux voltigeurs, le Ranger doré de Rennes contre le Yoshi de Nantes. Et on peut déjà, oh, et on peut d'ores et déjà annoncer que Tom Tom a perdu sa ceinture. Eh ouais, je ne serai pas le champion. Mais je défie le prochain champion dans mon match revanche, comme le prévoit mon contrat. Voilà. Et Chad qui monte, il monte dans le coin, la deuxième corde seulement. Oh, il l'attend, il lui dit de se relever. Il est prudent. Verdigris qui a un peu sonné. Oh, la carnade de la part de Chad, mon dieu. Allez, c'est un combat entre deux poids moyens, deux voltigeurs. Chad, il est chaud. Verdigris qui est fatigué. Le Fireman Skelly. Il le faut. Oh, numéro 21. 5, 4, 3, 2. Où est-ce qu'il est, Sogé King? Oh, Verdigris! Sogé, allez, Sogé! On croit en toi! Sogé, représente Nantes! Non, Sogé! Oh oui! Esquive! Oh, Sogé qui est chopé avec les jambes! Là, on a l'avalanche de poids moyen, l'avalanche de voltigeur! Il monte sur du corps! Oh, il est prêt à sauter! Il attend qu'il se relève! Il saute, il a chopé! Urakarana, une nouvelle fois de la part de Sogé King! Sogé King qui est le troisième luchador de ce match! Oh, il a écrasé le tout son poids! Il va faire mal à la cage thoracique, il l'envoie directement dans les cordes! Oh, tire the wheel backbreaker de la part de Sogé King! Sogé King qui a pas de temps, qui s'acharne, il s'acharne sur Chad! En même temps, c'est sur le ring directement! Non! Il le tire! Allez! En 22. Allez! Oh, il dit toi tu vas virer! Mais Sogé King qui a éliminé Chad! 2! 1! Et numéro 22, c'est Shenzo! Arène qui part, Arène qui revient! Et c'est la revanche de Guilty là quelque part! Ah, mais c'est la revanche! On peut dire ça!
C'est la revanche de tout aujourd'hui. Oh, Sogi King. Oh, oh mon dieu. Sogi King qui nous avait caché son agilité légendaire. Oh, le Fireman. Oh mon dieu, Sogi King, c'est chaud. Sogi King qui est tellement motivé. Il veut la ceinture, ça se voit. Et non, Shenzo qui contre. Tu me bats peut-être un guilty, mais ici, c'est du catch. Je vais te fumer. Mais là, ça contre encore. Ça surcontre, ça c'est recontre. Très technique. Oh, mais ce gars qui a fait une petite figure comme ça, voilà, il fait un looping. Il s'est projeté dans les cordes pour l'écraser de tout son poids. Oh, il l'emmène dans les cordes. Il l'emmène dans les cordes. Toi, je vais t'éliminer, mon gars. Oh mon dieu, le super kick élimination. Et Shenzo qui est passé par-dessus la troisième corde. Et le numéro 3, 2, 1. Et c'est pour ça. Le représentant de 3-3, le dernier que j'ai fait dans cette putain de liste à la con. Oh, ce qui a pas de sang, il voltige encore, il est... Tout de suite, il relève Picross. Oh, il chope la jambe. Oh, on écrase la jambe. Ah, le travail de sap, hein, de Sogi King. À nouveau, l'Olympic Slam de la part de Sogi King, encore une fois. Mais ça passe tellement crème face à Sogi King qui montre toute sa technique ce soir. Et non, le compte de Picross. Je tiens à dire que c'est quand même un peu décevant d'avoir fait un Royal Rumble pour que ça se finisse qu'avec des petits duels. Attends, il reste encore des gros, hein. Il reste encore 7. Bah ça va, t'es pas si gros que ça, Pavel. Ah, y'a pas que moi. Oui, mais t'es le plus gros. Ah oui, non, y'a pas que Pavel, hein, parmi les poids lourds. Le plus lourd, le plus lourd est déjà passé. Ouais. Oui. Ah, est-ce que c'est Critical ou Critical, est-ce que c'est Astro? Critical était le plus lourd. Critical était le plus lourd, et c'est le numéro 1. Le numéro 23 qui entre. Le numéro 24 qui entre. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est Prédin. C'est Prédin. Le président qui arrive. Le président qui veut choper la ceinture. Oh, il est beau. Il est beau, il est chaud. Il est chaud. Le super kick de Sogi King qui élimine Picross. Picross qui est passé par-dessus. C'est mon assaut, c'est ma ceinture, mon gars. Et Sogi qui lui dit, ouais, t'as cru. Exactement. Oh, big time. Là, on en est au numéro 23. 30 au total. Ah oui, Mouizman qui est maintenant en direct. Il est JDR à nous, mec, t'as fait un travail de monstre. Oh, Préda, oh, Préda. Allez, Préda qui va aligner Sogi. Préda qui a éliminé Sogi King. Sogi King qui est passé par-dessus la troisième corde. Et Préda qui tourne. Il tourne le président. Le numéro 25. Pavel. Ah là, ça va pas être le même combat. Attention. Préda face à Pavel. Ouais, il y a une différence de gabarit. Oh, je le chope direct, qu'est-ce qui se passe? Allez, direct. Et le power slam. T'es tout petit dans mes bras, Préda, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est chaud. On a eu au final que des affrontements. Qu'est-ce que je fais? Non, je sais pas. Oh là, je monte sur les cordes. Deuxième corde. Oh, le splash. Oh, ça fait mal, le splash de Pavel. Oh, le coup de pied dans le dos. C'est la puissance du brassard Pokéball. On peut admirer le brassard Pokéball au bras gauche qui est magnifique. Pavel, tu es tellement argent. Oh là là. Oh là là. Oh, la technique. Non, non, pas tout de suite. Oh non. Aïe. Ah oui, ça fait mal. L'envolée de la jambe de Préda. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Préda qui saute. Préda qui a pas de temps. Et on a que le numéro 26. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le numéro 26, c'est bâtard. Le Little Mac absolument rose, flashy, magnifique. Oui, Préda. Oh, le magnifique logo To Love derrière. Avec le logo To Love. Préda, qu'est-ce qu'il dit? Patoche, qu'est-ce qu'il fait? Patoche, il réfléchit. Patoche, il observe. Patoche, qu'est-ce que je fais? Oh non. Préda, t'as cru que tu le soulèves comme ça? Je viens de comprendre le sens de la vie sur le ring. Oh, Patoche, la sale race. Patoche qui chope directement Préda. Il place Préda. Est-ce qu'il va l'éliminer? Oh, pas mal qu'il aide. Non. Est-ce que je vais me joindre à lui? Bah oui, vous êtes connecté au travail. Non, j'attends. Non, au revoir. Pavel, il réfléchit, voilà, il a pas envie. Bon, allez, j'y vais, allez. L'alliance des smasheux, qu'est-ce qu'il y a? Mon gars. Et non, Préda qui compte. Mais oui, je savais que j'aurais dû y aller plus tôt. Il va aider son collègue de travail, c'est normal, c'est la base. On
On traite pas avec le président Preda qui est envoyé directement dans le coin par Patoche. Preda qui contre, qui envoie Patoche dans le coin. Le middle kick. Et on accueille tout de suite le numéro 27. Le coup de Pavel. Tu dégages. 4, 3, 2, 1. Et le numéro 27, c'est... Oh, ce chanteur de K-pop, t'as vu? Et Patoche qui tourne pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a? Ah là, ça ressemble à un Royal Rumble, il y a 4 personnes sur le ring, c'est normal, tu vois. Non, Patoche, non, tu me laisses tranquille. T'as cru j'en avais quelque chose à foutre pour tes collègues du travail? Oh là là! Oh, Preda qui monte sur le... Oh, Preda! Le soin de temps de bombe de Preda sur Os, il est chaud, Patoche! Oh là, je t'ai éliminé, Patoche! Oh, la German suplex de Preda! Tandis que je tente toujours d'éliminer Patoche. Preda qui relève Os. Ah non, Patoche qui se débat. Oh, la torsion du bras. Oh, la double. Oh là là. Os qui a été pris en sandwich entre Preda et Pavel. J'ai étouffé Os. Os, il a mal, hein. Il est lié à genoux. Il s'est fait violenter par Preda. Maintenant, il s'est fait violenter par Pavel. Le numéro 28. Numéro 28. 7, 6, 5, 4, 3. C'est Baki. Oh, Patoche qui a sauté sur Os pendant ce temps-là. La mort et la désolation. Oh, Baki. Baki qui arrive en costume de ville, on va dire. C'est un peu comme Isno, il arrive, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il a fait, Patoche, là? Il a sauté. Un petit saut de cabri. Oh, Baki qui a soulevé Patoche pour l'écraser. Oh, le slam de Baki. Baki, qu'est-ce qu'il fait? Preda, est-ce qu'il limite Preda? Non, Preda qui résiste. Preda qui s'en sort. Oh, s'il va essayer de finir le travail. Et Preda éliminé. Preda il y passe. Preda qui est passé par-dessus la... On sent que le jeu a du mal avec le son des fois. Ouais, le son il crache, mais en même temps je pense que c'est nous qui faisons cracher les autres. C'est possible. On a que le numéro 29, l'avant-dernier de ce Rumble. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et numéro 20. Non, numéro 29. Il est passé. Ah, des darons de l'assaut. Oh, Astro, il est magnifique. Il est flashy. Oh non, Os qui veut m'éliminer. Il y a Os qui était éliminé. Os qui essaye d'éliminer Pavel. Preda se suit pas. Tandis que Patoche se repousse sous les cordes. Preda passe sous Os. Oh, Astro. Oh, Astro qui a éliminé Baki. Non, Baki qui résiste. Non, c'est bon. Baki qui s'en sort. Baki n'est pas encore éliminé. Et moi, les crasse-boules de Baki. Oh non. Par-dessus la troisième corde. Pourquoi, monde cruel? Je tiens à dire que dans le test qu'on avait fait, c'est moi qui avais gagné. Oui, mais c'était un test, ce n'était pas pour le titre. M'en fiche, dans mon cœur, j'ai gagné. Os qui prend son souffle tranquillement. Il reste encore le 30 et le 30. Il reste le numéro 30 c'est à arriver. C'est qui dernier? Eh ben, on verra. Ah bah voilà, 9, on va savoir. 8, le numéro 30, 7, 7, 6, et Patoche qui a éliminé Astro d'un super kick. 2, 1, le premier du trailer qui est le dernier dans le ring. Voilà le nouveau visage de la peur qui rentre. Alors peut-être qu'il demande pitié, je sais pas. Et, mais en tout cas, et là on a le carré final du Rumble. On a le top 4. L'un de ces quatre compétiteurs, on va dire, repartira avec la ceinture. Ce sera pas Patoche. Le DDT par delà. Patoche qui résiste. Est-ce que Patoche va résister longtemps? Est-ce que Patoche va se faire éliminer? Il tente. C'est chaud. Est-ce que Aether a les muscles pour pousser Patoche comme ça? Mais non, Patoche qui dit non. Petit coup de cul. Pas comme ça. On va se taper dessus d'abord. Voilà. C'est pas un X-Factor, ça? Est-ce que c'était pas un X-Factor de la part de Patoche? Patoche coupe le sur Os. Et un super kick. Et Os qui a contré Patoche. Patoche qui est chaud. Mais Patoche qui met des super kicks. Il a rien à perdre. Mais où est-ce qu'on a vu un Little Mac frapper avec ses pieds, sans déconner? Où est-ce qu'on a vu Patoche faire quoi que ce soit d'impressionnant? Mais oui. Où est-ce qu'on a vu Patoche être bon? C'était méchant.
Oh, Aether qui envoie Baki dans le coin. Aether qui n'élimine, tu veux éliminer que dans le coin. Et Patoche qui veut éliminer au saut, qui veut éliminer. Dégage le vieux, place au jeune. Allez, qu'est-ce qui se passe? Baki non. Et Os non plus qui tient. Non, non, ça résiste des deux côtés pour le moment. Oh, Baki qui a fait un surpassement d'Aether. Oh, Aether qui a eu mal là sur ce coup là. Oh, le coup de boule de Baki. Oh, oh, Os qui compte directement Patoche. Oh, il a chopé. Oh, Baki, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Os qui saute partout. Mec, t'as cru que tu te dégages. Os qui donne des coups de pied. Os, 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 Os. Oh, ce qui voltige! Mais c'est génial parce qu'ils sont tous claqués, donc ils sont en mode ouais, on gère, mais à chaque fois, et tu les vois en PLS dans un coin du ring. C'est magique. Mais c'est la fin, il n'en reste que 4. Oh! Mais Os qui sait, il t'a montré. Patoche qui a raté un coup de pied. En tout cas, je n'aurais jamais cru voir un top 4 pareil dans ce tournoi. Ah, oh, Os. Patoche, non, Patoche, même pas. Aether, il a envie de la ceinture. Il a envie oh de la. Oh, Baki! Ah ah ah. Et Baki qui est passé on a le top 3 final. Patoche qui élimine Aether, mais non. Oh. Aether, Patoche. Et là, ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'il prend de l'élan. Oh mon dieu. Ce powerbomb. Et Patoche qui vient se cacher sous les cordes. Mais ah, mais non, le petit paquet qui sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Os? Mais Os, voilà, c'est voilà, chaud. Voilà, 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 voilà. Mais Os qui élimine Aether. Aether qui est passé. Os. Mesdames et messieurs, j'ai envie de dire, on a les deux finalistes. On a d'un côté, on a Os. Et de l'autre côté, on a Patoche. Ça n'a aucun putain de sens. Qui veut voir Os gagner ce soir? Le public a l'air pour Patoche. Mais qu'est-ce qui se passe? Patoche se relève. Oh là là. Oh là là. La petite scène pour indiquer que c'est les deux derniers. Voilà, le round final. Os contre oh, il se regarde droit dans les yeux. Allez. Viens par là, oh, Bouchou. Patoche qui se jette directement. Oh, oh, mais non, mais Os qui contre. T'as cru jouer comme ça, mon gars? Il relève Patoche. Oh, mais Os qui lui dit, mais non, mais tu me relèves pas comme ça. Oh, le contre. Mais ça compte dans tous les sens. Oh, mais ça compte. Ils jettent leur dernière force dans la balle. Oh. Ce sera peut-être la dernière phase. Patoche qui s'acharne. C'est peut-être la phase. Qu'est-ce qu'il fait, Patoche? Non, Patoche il se la pète. Il parade. Qu'est-ce qu'il fait, Patoche? Il réfléchit, Patoche. Il réfléchit. C'est difficile. Et il redonne un coup de pied. Ça valait bien le coup de faire un tour de ring pour donner un coup de pied. Oh, oh. Non. Non. Oh, Os qui dit non. Tu me fais pas ça. Là, ça va être chaud là. Qui sait, on sait pas qui peut l'emporter. Voilà, voilà. Oh, oh, là, 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 là. Oh, oh. Et Patoche qui a contré. Patoche qui a contré le Rakenrana de Os. Et on lui écrase le bras. On lui écrase la jambe. Allez, Patoche. Est-ce que c'est Patoche qui va l'emporter? Qu'il va faire Patoche. Oh, le jumping DDT de la part de Patoche. Oh, il attend, il attend. Et il l'attend patiemment. Oh là là. Le K2. Le K2 de la part de Patoche. On est désolé Patoche, pour le stream. Nos commentaires sont... Oh, oh, oh. Le dernier. Et là, il est passé. Patoche, un petit mot sur ta victoire absolument imprévue, on va dire. Vas-y, un petit mot. J'ai un premier lettre, mot. Ne prends pas au pied de la lettre, sinon je vais t'éliminer une deuxième fois. Et Patoche qui reçoit la ceinture. Patoche qui est maintenant le Big Bang 44 champion. Bon, allez, un petit mot. Ok, merci. Oh, vas-y, allez. Quelque chose. C'est cool. Rapproche le micro déjà. C'est cool. Voilà, selon Patoche, c'était cool. Le max est top tier. Allez.
Dédicace quand même à Jean-Paul Wiesmann qui nous a fait un gros massacre. Exactement, Wiesmann qui a fait mais un travail du tonnerre dans ce match. On va voir un petit peu les moments forts de ce match. Ah oui, Oss qui a fait un magnifique un saut retourné, on va dire. Oui, le petit paquet de Oss qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de tombée dans un Royal Rumble. Oh, le K2 de Patoche qui était magnifique. Il a placé son spécial. Et le sixième d'enfort qui ne veut pas venir. C'est pas grave. Bon, si je dois résumer, je respecte mon principe d'opportuniste. Alors, rapproche le micro, on t'entend pas. Si je dois m'exprimer, je dirais que, ouais, opportuniste. Espèce d'opportuniste, exactement. Exactement, voilà. Alors, il se trouve que même si c'est ton avatar qui a gagné, tu as quand même gagné quelque chose ce soir, de par ta victoire. Ouais. Alors, c'est pas la ceinture, parce que, non, faire une ceinture en vrai, ça coûte cher quand même, faut pas déconner. Rembourser. Non, mais tu vas gagner quelque chose. Donc, on va quand même féliciter le deuxième et le troisième. Le deuxième qui était Os, mine de rien, il a bien tenu. Et en troisième, Aether. Ouais. Et Patoche, qui a gagné. Patoche qui a gagné une salière. Il peut distribuer du sel sur ses adversaires. Le vrai lot, mesdames et messieurs. Bon, bah, au moins, j'aurais gagné quelque chose à la Nantes Arena. Ça ne veut rien dire. Exactement. Ouais. Oh là là, mon Dieu.